Je me préparais à tenter de réussir une réparation difficile. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. C'était une question de vie ou de mort. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. Mouton? Attends. Regarde. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Bon, alors. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est comme ça que je le voulais. Un petit mouton peut la tuer comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait. Oui. C'est pas important, ça? Ne crie pas. Si quelqu'un aime une fleur, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il la regarde. Mais si le mouton, il mange la fleur, ce n'est pas important, ça? La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif. Je te fais ministre. Ministre. De quoi? Ministre de... Ministre de la justice. Frappe tes mains l'une contre l'autre. Plus de pêche. Oui, bravo, bravo. Bien, merci, merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je bois. Ah. Et pourquoi bois-tu? Je bois pour oublier. Comment peut-on posséder des étoiles? À qui sont-elles? Je ne sais pas, à personne. Donc, elles sont à moi, puisque j'ai été le premier à penser à les posséder. Et la consigne n'a pas changé. Alors? Alors? Oui. Eh bien maintenant que la planète est tout par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins. Une fois par minute! Ah, mais ça c'est drôle! Alors chez vous, les jours durent 1 minute! Ce n'est pas drôle! Voilà. Une planète très lointaine où il y avait 3 volcans. 2 volcans en activité et 1 éteint. Il y avait aussi une rose! Une rose? La 7e planète fut donc la Terre. Mais avant de partir, il est retourné voir les roses dans leur jardin. J'ai apprivoisé un renard. Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Elle est tellement fragile. Elle est tellement faible. Elle a 4 épines, de rien du tout, pour la protéger de tout le monde. Attention. Près de ta cheville, attends.